Hans Wiesmann est le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, grand philosophe, connu, reconnu internationalement, philologue, spécialiste d'herméneutique et d'histoire des traditions savantes, où il a enseigné à partir de 1962 la philosophie à la Sorbonne, avant d'être nommé à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, où il dirige un programme d'enseignement et de recherche, notamment sur l'épistémologie des sciences humaines. Pendant 9 années, il présida en outre l'Institut protestant de recherche interdisciplinaire de Heidelberg. Ayant fondé la collection Passage aux éditions du CERF, il est aussi éditeur, il en a assuré la direction de 1986 à 2007, avec plus de 150 volumes parus. Membre de l'Académie d'agriculture de France, il fait notamment partie du directoire de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, des conseils scientifiques de la Maison des sciences de l'homme de Sofia et de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie à Paris. Partant de ses travaux sur la philosophie grecque ancienne, Hans Wiesmann a consacré de nombreuses études à l'histoire des recherches philologiques, auteur d'un très grand nombre d'ouvrages et d'articles scientifiques, ainsi qu'à l'émergence des philosophies de la culture dans le sillage du criticisme kantien. L'un de ses ouvrages phares, notamment, et ce dont notamment il nous parlera aujourd'hui, c'est « Penser entre les langues ». Nul doute que dans n'importe quelle cité, n'importe quelle politique qui est le thème de notre semaine, le langage est un outil évidemment primordial. Nous vous demandons de lui réserver un accueil très chaleureux. Merci beaucoup, Hans Wiesmann, d'être parmi nous. J'essaie de vous voir. Je n'y arrive pas. Eh bien, je commence par le mot qui sert de devise à votre semaine, l'imagination. C'est en imaginant, au lendemain de la dernière guerre mondiale, un système totalitaire parfait que George Orwell, dans son roman 1984, place au cœur du dispositif de répression et de contrôle la manipulation du langage. En anglais, cette langue s'appelle « newspeak », dans la traduction française « novlangue ». Or, le caractéristique, ou une des caractéristiques de la novlangue, c'est qu'elle écarte de tout discours imaginable ce que nous appelons les métaphores, c'est-à-dire le vouloir dire. Dans une langue contrôlée par la police de la pensée, on ne peut parler que de choses. On ne peut parler qu'en désignant une réalité qui est admise par l'autorité, qui devient une sorte de sens commun. Or, toute créativité, tout effort de s'écarter de ce qui est généralement admis repose en premier lieu sur cette ressource particulière que nous offre le langage, à savoir de dire une chose tout en parlant de quelque chose, c'est-à-dire le vouloir dire s'accompagne de l'évocation d'une réalité objective, mais avec une nuance que le sujet ajoute. Je vous donne l'exemple que je trouve le plus drôle, c'est quand vous vous écartez des autres humains qui vous entourent parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, eh bien, vous éprouvez le besoin irrésistible de ne plus le nommer comme tout le monde le nomme, surtout pas par le nom qui figure sur l'état civil, parce que ça, c'est du côté du langage contrôlé. Vous inventez des petits mots amour, comme mon chou, mon lapin. Le ridicule n'apparaît qu'à ceux qui ne sont pas amoureux. Comme nous ne sommes pas tous poètes, très souvent, nous nous limitons à une utilisation déjà convenue de ce petit écart de langage quand on dit, par exemple, « chéri ». « Chéri », c'est, si vous voulez, l'écart minimum. La chose intéressante à creuser est de se demander si les langues telles que nous les parlons gardent pour nous la possibilité de ce petit écart, de cette créativité à l'intérieur du langage qui fait apparaître une préférence, par exemple, qui nous arrache
à ce qu'on peut appeler le mainstream de la connaissance aussi bien que des sentiments. Eh bien, ce qui nous pousse à rechercher malgré tout une langue qui nous unit, c'est-à-dire qui nous permet de nous entendre immédiatement, eh bien, c'est ce que le récit de l'événement de Babel évoque lorsque il présente la pluralité des langues comme une punition. Une punition divine, puisque l'orgueil humain qui s'était manifesté par la construction de la tour qui devait atteindre le ciel, eh bien, cette punition divine aurait privé l'humanité de la langue du paradis, la langue adamique, dans laquelle tout le monde était à l'aise parce que tout le monde comprenait immédiatement de quoi il était question. Or, cette langue adamique, langue que Dieu a demandé à Adam de développer, ne fait que nommer des choses. C'est ainsi que vous trouvez dans la Bible l'ordre divin. Il demande à Adam de nommer les choses. Or, nommer les choses, c'est du côté, justement, de ce qui est contrôlable parce que c'est la réalité partagée par tous. Et le sentiment qui, parfois, nous pousse à rêver d'une langue immédiatement compréhensible par tous, c'est finalement la nostalgie de cet état d'avant la chute dans la pluralité des langues. Eh bien, dans la Bible même, dans les Actes des apôtres, on trouve une réflexion sur la signification de la pluralité des langues. C'est lorsque les apôtres, le jour de la Pentecôte, commencent à parler en langue, dans le grec du Nouveau Testament, en langue, ça veut dire que chaque apôtre parle une autre langue, et c'est grâce à l'intervention de l'Esprit-Saint que tout le monde s'entend, tout le monde se comprend. Or, à y réfléchir bien, l'Esprit de la Pentecôte est une sorte de réhabilitation de ce qui, au départ, apparaissait comme une punition, dans la mesure où les apôtres peuvent, en variant les effets de langue, exprimer quelque chose qui leur est personnel. Alors que si on parle de choses, il n'y a rien de personnel dans ce que l'on dit. Cette idée qu'il puisse y avoir une langue que tout le monde comprend spontanément parce qu'elle se limite à l'évocation du réel tel qu'il est admis collectivement. Eh bien, ce rêve, cette nostalgie qui s'est prolongée pendant des siècles a conduit les différentes cultures à revendiquer, mais pour des raisons, je dirais, presque impérialistes, le statut de langue du paradis. Successivement, l'hébreu, le grec ancien, le latin, mais aussi l'italien, l'espagnol et finalement le français, ont été des langues revendiquées au nom de la perfection et de la clarté initiale qui devait précéder la dispersion des langues dans une pluralité d'idiomes qui finalement nous empêchait de nous entendre. Le français, c'est un cas particulièrement intéressant puisque le français, avant l'anglais d'aujourd'hui, on va en parler dans un instant, le français est la dernière langue à avoir explicitement revendiqué d'être une langue du paradis. Au XVIIIe siècle, le français était considéré par les représentants cultivés qui parlaient cette langue comme devant être utilisé pour permettre aux autres langues d'accéder à la clarté. C'est-à-dire, on prenait les autres langues et on les traduisait en français pour leur arracher ce qu'elles voulaient réellement dire. On appelait ça des traductions relais. Or, ces traductions relais, qui sont des filtres, si vous voulez, ce sont des filtres qui font que quelque chose d'impur devient pur. Ces traductions relais sont aujourd'hui monnaie courante dans toutes les institutions internationales. À Bruxelles, par exemple, lorsqu'un Estonien prend la parole, il sait que ce qu'il va dire sera d'abord traduit
en anglais de conférence, disons, mais un anglais quand même standardisé, et ensuite seulement retraduit dans plusieurs langues, qui sont les langues officielles de l'Europe. Eh bien, il va nécessairement censurer son expression, car il sait qu'un certain nombre de manières de dire métaphoriques qui appartiennent à sa langue maternelle ne vont pas passer par le tamis de la traduction relais. Je dis toujours que c'est cela qui participe à la naissance d'une espèce de mauvaise humeur qui suinte des murs dans les institutions internationales. Vous devriez une fois vous promener tout simplement pour sentir que quelque chose manque. Ce qui manque, d'après ce que j'essaye de vous dire, c'est la spontanéité créatrice qui fait que lorsque je parle de quelque chose, j'en parle d'une certaine manière en suggérant que j'en pense quelque chose, que j'évalue la chose. Prenez l'exemple, en français et en allemand, c'est la même expression, tu es un âne. Eh bien, vous prenez une langue asiatique ou, dans laquelle ça n'a pas la même signification métaphorique, à savoir, tu es un imbécile. Dans une autre langue, ça signifierait, tu es un animal gris avec de longues oreilles. Eh bien, la difficulté consiste justement à additionner ce que dans les différentes traditions langagières, culturelles, on a accumulé comme ressources sémantiques. Par ressources sémantiques, j'entends donc des métaphores qui se sont historiquement déposées. En général, c'est le mérite des grands auteurs qui se servent de la langue pour y injecter quelque chose qui n'a jamais été dit. Évidemment, ils ne peuvent pas le faire en créant une langue à eux. Ils vont parler la langue de tout le monde qui, elle, désigne des choses, mais ils vont superposer à cette évocation des choses une manière de les voir, une manière de les éprouver. Et c'est cela que, dans un petit livre que j'ai publié avec Pierre-Judith Lacombe en 2004, qui s'appelle « L'avenir des langues », on a appelé la fonction connotative. Alors, je vous propose, pour que ce soit clair ce que je vous raconte jusqu'ici, de distinguer dans l'utilisation d'une langue, quelle qu'elle soit, la dimension dénotative, c'est-à-dire la dimension qui traite de ce qui est le cas, de ce qui est un fait, ce qui est objectivement admis comme réel. Ça peut être contrôlé. On peut avoir là, peut-être pas tout de suite une police de la pensée, mais on peut avoir une véritable surveillance de l'ensemble des choses dont on admet qu'elles existent. En revanche, il y a une liberté infinie du côté de la connotation, c'est-à-dire quand j'ajoute à ce que je dénote une dimension métaphorique qui relève du vouloir dire, qui relève de mon souci de faire comprendre à bon entendeur, comme on disait en français autrefois, on disait à bon entendeur salut, on faisait comprendre à l'interlocuteur que ce qu'on disait de telle ou telle réalité, on le jugeait, on l'évaluait, on l'appréciait d'une manière implicite. Puisque ce qui s'ajoute en superposition, quand je dis tu es un âne, c'est évidemment quelque chose dont on peut toujours dire qu'on n'a pas voulu le dire. Et en fait, les langues qui, comme le français du XVIIIe siècle, étaient devenues des langues dans lesquelles il s'agissait surtout de ne pas trop s'exposer, dans la mesure où à la cour et dans les salons, on était surveillé, eh bien, on devait diplomatiquement faire apparaître, mais uniquement aux oreilles de ceux qui savaient entendre, qu'on avait, au sujet des choses dont on parlait, un point de vue, peut-être divergent, peut-être même révolutionnaire. Eh bien, c'est ce moment crucial qui, dans le cas donc, du français au XVIIIe siècle, est poussé, je dirais, à sa dernière extrémité, parce que quand vous lisez une tragédie de Racine, ça s'annonce déjà là, Racine réduit le français dont il se sert à peu près 2000 mots.
Shakespeare, il en utilise presque 20 000. Et donc les Allemands, pris en tenaille, ils ont essayé de savoir combien de mots ils devaient utiliser pour écrire des pièces de théâtre. Alors, le nombre des mots est directement lié à l'intensité de ce que j'appelle la connotation. Quand Racine dit « ardeur », par exemple, eh bien, ça peut signifier l'amour, ça peut signifier la haine, ça peut signifier le courage, ça peut faire la bravoure au combat. Il y a toutes sortes de significations que vous ne pouvez, au fond, saisir que si vous êtes capable de reconstituer le contexte dans lequel le mot a été dit. Et donc, cette capacité, ce que l'expression « à bon entendeur » signifie, eh bien, cette capacité de restituer les contextes fonctionnait aussi comme une sorte de filtre social, dans la mesure où seuls ceux qui étaient capables de connaître le contexte étaient aussi capables de savoir ce que les uns et les autres voulaient dire. Je vous renvoie, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous renvoie à un film qui met ça parfaitement en image. Il porte le titre de Ridicule, film Ridicule de Patrice Lecomte. Allez le voir si vous avez l'occasion de le voir. C'est ce jeu du langage où soudain, donc, les connotations abondent tellement que seuls les initiés savent de quoi on parle. Et la chose dont on parle est réduite au maximum. Eh bien, le mouvement inverse, c'est le mouvement qui consiste à vouloir s'assurer de l'exactitude, la précision univoque du vocabulaire qu'on utilise pour désigner un état de fait. Donc, toutes les langues artificielles, c'est-à-dire les terminologies, les langues savantes, etc., ont pour principal mérite de ne pas être métaphoriques. Ce sont des langues qui veulent vraiment dire ce qu'elles disent. Donc, dans mon schéma initial, c'est-à-dire Babel et la Pentecôte, eh bien, les langues techniques, les idiomes dont on se sert pour désigner une réalité de manière univoque, relèvent de la nostalgie babélique. C'est l'idée qu'il doit y avoir une langue qui dit la réalité sans reste. Et puis, tout ce que nous appelons des langues de culture, les autres sont plutôt des langues de service, qui rendent effectivement service, mais ce ne sont que des langues de service. Les langues de culture, les langues poétiques, les langues dans lesquelles les sujets arrivent à injecter un vouloir dire qui leur est absolument personnel et propre, d'où l'exemple de l'amour, eh bien, ces langues-là relèvent de l'esprit de la Pentecôte. Je ne veux pas surqualifier cet exemple biblique, mais c'est quand même extrêmement intéressant qu'on a dans cette tradition une réflexion sur le rôle du langage. Or, ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le français était considéré comme la langue du paradis, ou, enfin, la langue la plus claire de toutes les langues, la langue tamie, eh bien, c'est qu'on s'est soudain aperçu que toutes les langues de culture se valent. C'est-à-dire, là où le français voulait encore se prévaloir d'un héritage adamique, eh bien, des personnes comme Germaine de Staël, côté français, ou Wilhelm von Humboldt, le grand linguiste, philosophe, linguiste du côté allemand, autour de 1800, se sont soudain aperçus qu'il n'existe pas une langue parfaite. Pour que la langue soit parfaite au sens de l'univocité, il faudrait qu'elle renonce complètement à la dimension implicite de la connotation métaphorique. Donc, il n'existe pas de langue parfaite. En revanche, toutes les langues rivalisent les unes avec les autres d'imagination pour produire des significations qui excèdent la simple désignation d'une réalité objective. Alors, dans le cas de Madame de Staël, c'est particulièrement drôle parce que c'est une vraie découverte qu'elle a faite. C'est une Suissesse, comme vous savez, c'est la fille du dernier ministre des Finances de Louis XVI, Necker, et une Suissesse francophone, avec un salon à la française, elle baignait littéralement dans le sentiment que le français était la langue la plus parfaite du monde.
Eh bien, à cause de Napoléon, qui ne l'aimait pas beaucoup, elle est partie en 1803 en Allemagne, et elle s'est promenée un peu partout, était reçue par les grands intellectuels de l'époque, et notamment par Goethe, où elle a dîné. Et dans un petit livre qui s'intitule « De l'Allemagne », elle note les impressions qu'elle a retenues de ce dîner chez Goethe. Elle disait « C'est bizarre, il n'y a pas de conversation comme je la connais. » Et je me demande si ce n'est pas parce que les Allemands, quand ils prennent la parole, veulent finir leur phrase. On n'a pas le droit de les interrompre. Or, ça doit tenir à la structure de la syntaxe allemande, qui fait que la chose dont on parle, on la met toujours vers la fin. Et les choses qu'on en dit, on les met devant. Alors, je vous inflige un mot allemand, café, tasse, thé, tasse. Eh bien, c'est chaque fois une tasse qui vient en second. Et ce qu'elle est en particulier, c'est-à-dire tasse à café ou tasse à thé, vient devant. Tandis qu'en français, c'est le contraire. On dit d'abord tasse, ensuite on dit le café. Ce qui fait que, si vous étendez ce principe à une phrase entière, que le français, vous pouvez l'interrompre à tout moment. Parce qu'il a, dès le départ, dit de quoi il parle. Et l'allemand, le malheur, c'est que vous ne pouvez pas l'interrompre parce qu'il ne dira de ce dont il parle et surtout, il dira s'il nie la phrase que tout à fait à la fin. Et donc, Madame de Staël écrit dans son petit livre, dans un chapitre intitulé « De la conversation », c'est étrange, mais il ne peut pas y avoir de conversation en Allemagne. Alors, ensuite, elle se dit, oui, mais peut-être la conversation telle que moi je l'entends relève uniquement d'une particularité du français. Et donc, elle se met à réfléchir et elle dit, mais c'est vrai, c'est étrange, pour qu'il y ait une conversation, il ne faut surtout pas vouloir avoir le dernier mot. Or, le dernier mot, c'est justement la structure allemande de la phrase. Avoir le dernier mot, c'est aussi une attitude morale. C'est une manière de vouloir infliger aux autres une vérité. Hein? Vouloir avoir le dernier mot, c'est une manière d'être, une manière de penser. Or, la conversation, elle exclut qu'on puisse prétendre avoir le dernier mot, puisque l'interruption est la règle. Et Madame de Staël décrit, en fait, la conversation à la française ne vise pas une quelconque vérité. Elle a pour but de créer une sorte d'électricité dans laquelle, ou grâce à laquelle, ceux qui sont sous tension peuvent se décharger et ceux qui ne le sont pas assez peuvent se recharger. Eh bien, là, vous êtes aux antipodes de ce que une conversation, maintenant, entre guillemets, en allemand, permet. Ça n'a rien à voir avec ce fait de socialisation qu'elle appelle l'électricité, le bien-être partagé. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus laborieux et peut-être plus sec. Il s'agit d'aller jusqu'au dernier mot afin de faire comprendre ce qu'on tient pour vrai. Toujours pour vous évoquer ce genre de malentendu qui demande des analyses comme celle que Germaine de Staël a entreprise. Eh bien, elle était invitée par Schiller, vous savez, l'autre grand poète allemand de l'époque, et elle écrit dans une lettre à une de ses amies que Schiller était visiblement épris d'elle, qu'il était assez entreprenant, qu'il avait même essayé de lui caresser les bras nus. Non, elle était coquette. Schiller a écrit à une de ses amies à lui, j'ai aussi reçu la visite de cette jeune femme dont tout le monde parle. Elle est effectivement très, très amusante. Simplement, elle gesticule constamment et ne vous laisse jamais finir vos phrases. Si bien que j'ai dû lui attraper les mains. Là, vous avez le conflit culturel non analysé. C'est ce genre d'exemple que je pourrais multiplier, mais qui devrait nous permettre de réfléchir sur les ressources extraordinaires que nous apporte la diversité des langues. Puisque dans chaque langue culturelle, c'est-à-dire historique, dans chaque langue qui ne se limite pas à la désignation
d'une réalité objective, s'accumulent, c'est ça que j'appelle des ressources sémantiques, s'accumulent des manières de dire qui, chaque fois, permettent à un sujet parlant de se situer à l'écart de ce qui lui est imposé comme pensée commune. C'est une sorte de libération individuelle qui est rendue possible par ces langues-là, qu'il faut à tout prix continuer à enseigner. Ces langues sont forcément au départ des langues maternelles. Ce sont des langues dans lesquelles on s'enracine, dans lesquelles on développe une sorte d'assurance, puisqu'on fait des jeux de mots sans avoir trop peur d'être ridicule. Et c'est une des valeurs des langues maternelles, qu'on peut jouer avec les mots, comme on joue dans la chambre des petits-enfants avec les jouets. On a une espèce de liberté absolue, puisqu'on est protégé par la connivence des parents et tous ceux qui parlent cette même langue. Eh bien, se priver de cette liberté, c'est ce qui risque de se produire lorsqu'on veut à tout prix parvenir à une langue qui est parlée de la même manière par tout le monde. Alors, suivez mon regard, il y a dans le monde dans lequel nous vivons une langue qui est dérivée d'une vraie langue historique de culture, qui est l'anglais, qui est l'anglais international. C'est une langue qui rend service, c'est une langue de service, c'est une langue dans laquelle on est sûr de parler vraiment de la chose de façon à ce que l'autre sache de quelque chose que je parle. Mais c'est une langue dans laquelle, et ça ressemble étrangement à la novlangue de George Orwell, c'est une langue dans laquelle il est de plus en plus difficile de faire apparaître ce que j'appelle le vouloir dire ou la connotation, c'est-à-dire ce qui fait que je pense quelque chose de ce que je dis. Alors, j'ai vécu beaucoup d'exemples de cette difficulté. J'évoque un exemple, je pense que ça peut vous parler. Vous connaissez le... C'est un grand groupe français qui s'appelle Valourec, VM Tube. En fait, Valourec, ce sont des Français qui ont absorbé une division de Mannesmann. Mannesmann était un des fleurons de la technologie allemande depuis le 19e siècle, produisait des tubes d'acier sans soudure. Et entre Mannesmann et Valourec devait naître, d'une certaine manière, une synergie supérieure. Parce que les Allemands, c'est des ingénieurs, et les Français étaient souvent des gens issus d'HEC, qui connaissaient le jeu des marchés, etc. Et ça devait permettre, évidemment, un gain net de compétitivité. Et donc, il y avait un comité exécutif paritaire que les Français ont voulu, très intelligemment. Et pendant des années, ils se sont réunis régulièrement, et la fameuse synergie espérée n'était pas au rendez-vous. Alors, le patron du groupe m'a demandé d'assister pendant quelques semaines aux réunions du comité exécutif. Et bien, ça sautait aux yeux. Ils étaient là, débonnaires, avec un sourire. D'ailleurs, tous avaient le même sourire. Ils tombaient la veste. Ils étaient décontractés. Et ils se servaient de cette langue qui est tout à fait indispensable quand on veut se mettre d'accord sur quelque chose d'objectivement existant. Mais ils avaient, d'une certaine manière, la plus grande difficulté à se communiquer ce qu'ils pensaient de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire, même les traits du visage n'étaient pas assez expressifs. Parce que ce n'est que quand vous faites dire à ce que vous êtes en train de dire autre chose que ce que cela dénote, que des mimiques accompagne la métaphore, le petit écart, la pensée à bon entendeur, quelque chose que je suggère parce que je le pense par-devers moi, mais je ne vais pas le dire de manière factuelle, je vais le suggérer. Eh bien, ça n'est possible que dans une langue de culture, ce n'est pas possible dans une langue réduite à cette fonction de service. Alors, j'ai demandé au patron de VM Tube de faire part de mes observations à ses collaborateurs. Il a convoqué une convention du groupe à Chantilly. Et il m'avait demandé, et ça c'est toujours le samedi matin à 11h, parce que c'est grand-messe, c'est un moment tout à fait solennel, il m'avait demandé de parler de la même chose en au moins trois langues pour leur faire comprendre que ce n'était plus la même chose.
Dans chaque langue, la même chose, finalement, cesse d'être la même chose. Si vous prenez le mot bread, pain, brot, etc., eh bien, ce que vous associez quand vous dites ce mot, lorsque vous baignez dans une autre culture avec une autre langue, ne ressemble en rien à ce que votre interlocuteur se représente. Eh bien, si on fait l'impasse sur cette possibilité qui est ouverte à tout moment lorsqu'on maîtrise une langue historique, une langue de culture, de l'enrichir par un point de vue personnel, par une énergie qui soudain veut se faire jour et se transmettre. Si on se prive de cela, eh bien, la meilleure connaissance technique d'une langue de précision ne sert à rien. Voilà l'enseignement de cette affaire Valorec, je pourrais donner plein d'exemples. Eh bien, lors du déjeuner qui a suivi mon petit speech, les gens se sont soudain mis à parler chacun la langue de leur choix à table. Et il y a eu comme un vent de folie, puisqu'ils se sont aperçus qu'ils comprenaient beaucoup mieux qu'ils ne le pensaient les langues qu'ils évitaient de parler. Et je crois qu'il y a là une vérité que nous devons creuser. Très souvent, les mimiques aident beaucoup, puisqu'il y a une authenticité expressive dans les mimiques. Très souvent, on se comprend beaucoup mieux lorsqu'on utilise la langue dans laquelle on est vraiment capable d'être expressif, c'est-à-dire connotatif. On se comprend beaucoup mieux parce qu'on déchiffre non seulement les sons, les mots, mais on déchiffre les gestes, on déchiffre les expressions du visage. Et je pense qu'il y a là tout un travail, surtout pour de futurs dirigeants. C'est un travail absolument essentiel qu'ils doivent entreprendre pour ne pas être prisonniers de cette espèce de, on peut appeler ça, bienséance inexpressive, qui fait qu'on s'entend parfaitement sur un certain nombre de sujets, mais pas sur ce que l'on ressent au sujet de ce dont on parle. Un autre exemple, c'est Jacques Delors, qui, quand il était président de la Commission européenne, il avait créé une cellule de prospective qui était chargée de surmonter les difficultés qu'avaient les Européens de s'entendre entre eux. Et quand il nous a introduit, il nous a expliqué que ce qu'il attendait de nous, c'était de surmonter l'illusion qui naissait après 3 jours et 3 nuits de négociations sur les quotas laitiers, quand au petit matin, on avait enfin trouvé un compromis, l'illusion de s'être compris. Et alors il nous disait, ils sont dans l'euphorie d'avoir enfin trouvé une solution pour les quotas laitiers. Ils vont au buffet pour prendre le café du petit matin, et puis l'un, l'Italien, prend un café noir très tassé, qu'il associe connotativement à la virilité. Et un Européen du Nord prend un café long, et si possible avec du lait dedans. Et l'Italien ne peut pas s'empêcher de croire que c'est une lavette. Voilà les problèmes que nous devons affronter avec la plus grande lucidité. Parce que nous ne pouvons pas nous entendre si nous n'utilisons pas toutes les ressources. Alors là, le langage devient quelque chose de très élargi. Le code vestimentaire en fait partie. Toutes les mimiques en font partie. Les manières dont je tiens mon corps, cela fait partie du langage au sens large. Eh bien, s'intéresser aux langues, c'est-à-dire à leur histoire, à la culture dans laquelle elles s'enracinent, est, je crois, la condition d'un véritable développement imaginatif et créatif de nos capacités. En gros, c'est ça que je voulais vous suggérer. Je peux encore ajouter plein d'exemples. Je peux encore, d'ailleurs, attirer votre attention que le cas de l'anglais qui était au départ enfin, la cellule germinale de l'anglais international, ce qu'on appelle le Globish pour le dénoncer, c'était le Basic, c'est-à-dire la langue que le ministère des colonies britanniques, des colonies, avait inventée pour
les colonies indiennes, parce que comme les Anglais ne voulaient pas, comme les Français, intégrer les indigènes, il fallait une espèce d'interface entre le monde des indigènes et le colonisateur. C'était ça le basic. Eh bien, en Inde, par exemple, c'est extraordinaire de voir que cette langue réduite s'est progressivement enrichie de mots de hindi, de ourdou, etc. Et maintenant, il y a de très, très grands auteurs de langue anglaise qui sont d'origine indienne, mais qui ne sont pas des auteurs britanniques. Et ce ne sont pas non plus des auteurs anglo-américains. Ils ont développé, sous la pression du besoin d'exprimer le point de vue du sujet qui parle, dans ce dont ils parlent, ils ont développé une langue qui ressemble exactement à ce qui s'est passé au Moyen-Âge, quand le bas latin, qui était la langue des commerçants, ce n'était pas le monde entier, c'était la Méditerranée, quand le bas latin a donné naissance à l'espagnol, à l'italien, au français, c'est-à-dire à toutes ces langues latines qui ont chacune eu leur histoire, eu leur singularité, et qui font que finalement, on peut espérer que les langues vont toujours renaître. Le besoin humain de se faire entendre, de se faire comprendre, est tellement fort que, surtout dans des relations où la confiance est le but, je ne dis pas l'amour, mais la confiance, eh bien, on ne peut pas se passer de cet outil extraordinaire qui est la langue de la Pentecôte. Voilà. Merci beaucoup. Merci de cette, comme tout le monde a pu le noter, c'est une conférence sans notes, sans slides, tout uniquement dans la pensée, qui est absolument remarquable. Merci infiniment de votre conférence. On va prendre quelques questions. Une question. Merci. Bonjour. Je vois que vous êtes quand même très critique de l'anglais qui manque, selon vous, de ressources sémantiques. Et j'aimerais bien avoir votre avis concernant les langues auxiliaires internationales comme l'espéranto, qui justement essayent de se passer de tout idiomatisme, tout idiome et tout idiotisme aussi. Ouais. Ça, c'est la question parfaite, parce que l'espéranto a été inventé par ceux qui étaient nostalgiques de la langue adamique d'avant Babel, avant la dispersion des langues, ressenti comme une punition. Or, l'espéranto est typiquement une langue dans laquelle cette dimension connotative n'est pas prise en compte. C'est une langue qui a été faite pour dire les choses de la manière la plus univoque possible. C'est la raison pour laquelle l'espéranto n'a pas pris. L'espéranto reste peut-être un espoir nostalgique, mais ce n'est pas une langue dans laquelle les individus soucieux de se faire comprendre parviennent à leur but. C'est une langue avec laquelle on peut, mais aussi bien avec l'italien pour touristes, vous pouvez utiliser l'espagnol pour touristes, ce sont des langues réduites qui ont leur fonctionnalité, qui rendent service et sur lesquelles il ne faut surtout pas cracher. Ce n'est pas ça. Mais c'est des langues insuffisantes. Ce sont des langues qui, dans certaines situations, nous permettent de nous débrouiller. Mais la situation vraiment crucial, et là l'espéranto est totalement démuni lorsqu'il s'agit de faire comprendre à quelqu'un d'autre qu'on éprouve un sentiment nuancé à l'égard de ce qu'on évoque. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire apparaître. Alors le fameux « tu es un âne » ou « tu es mon chou », cette superposition d'une expression de vouloir signifier, c'est pas plus. Eh bien, n'est pas possible dans des langues qui, comme l'espéranto, procèdent d'une toute autre nostalgie. Et finalement, l'anglais international, comme il est dérivé d'une vraie langue historique, a des atouts supérieurs à ceux de l'espéranto. Merci. On a une deuxième question ici également, sur votre gauche. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Bon, c'était exactement la même question que je voulais poser, mais du coup, je peux en improviser une autre, c'est pas grave. Vous parlez justement d'un anglais international qui a été adapté, mais est-ce que du coup, vous considérez que l'anglais s'est adapté en général, c'est-à-dire que maintenant, les personnes au Royaume-Uni, par exemple, parlent aussi cet anglais-là, ou qu'ils ont quand même réussi à se maintenir avec leur propre, comme vous disiez, leur propre « tu es un âne », leurs propres expressions, ou qui, du coup, la langue a dépéri au fur et à mesure
sur l'ensemble de l'anglais ou seulement sur l'anglais international ? Ben, si j'ai bien compris la question, parce que comme je ne vous vois pas, j'ai du mal à vous entendre. Et c'est la parfaite illustration de ce que je disais des mimiques. On ne peut comprendre réellement que quelqu'un qu'on voit. Et depuis le début, je suis gêné parce que je ne vous vois pas. On peut mettre la lumière quand même. Ça, peut-être que ça... Ah, quel bonheur. Mais c'est impressionnant parce qu'ils sont très nombreux. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est très simple. Les langues peuvent, dans toutes les langues, on peut avoir, pour des raisons utilitaires, tendance à en réduire le vocabulaire, à en préciser les termes, de façon à ce qu'on dise de manière univoque ce qu'on veut dire de quelque chose. Mais ce mouvement qui va donc vers la restitution de la langue pré-babélique ou adamique, ce mouvement-là prive notre souci de nous exprimer d'un outil essentiel qui est l'outil de la connotation qui accompagne ce que je dis de quelque chose, d'un point de vue, d'un sentiment qui s'exprime par l'écart métaphorique que seules les langues historiques nous permettent, puisque dans ces langues historiques, il y a toutes sortes de ressources que nous pouvons mobiliser pour exprimer quelque chose de radicalement individuel. Et l'anglais, eh bien, c'est ça que je voulais dire en parlant de l'anglais des Indiens. L'anglais, me semble-t-il, peut parfaitement renaître de ses cendres en dehors d'un retour à l'anglais d'Angleterre ou à l'anglais américain, qui sont aussi en train de diverger très clairement. Eh bien, ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais perdu. En fait, le besoin que nous avons de transmettre à autrui plus que la représentation d'une réalité extérieure. Notre besoin de leur faire partager quelque chose comme une réalité intérieure. Ce besoin expressif, eh bien, va toujours faire renaître des langues. Ça, historiquement, c'était l'affaire du bas latin, mais c'est très intéressant que ça se produise actuellement avec l'anglais. J'ai des collègues australiens qui ont lancé des recherches sur la nouvelle différenciation de l'anglais, mais à partir de l'anglais international. C'est-à-dire quand des auteurs qui ont un besoin expressif, poétique, s'emparent de cette langue, éprouvent son insuffisance et injectent avec la traduction, à partir d'autres langues, des mots qui élargissent la possibilité de s'exprimer. Et bien ça, ce processus va constamment être réamorcé. Et je suis convaincu qu'il suffit d'en être conscient. Il suffit de se dire que c'est là que gît la ressource principale de tout développement. Sinon, on est dans la situation que j'ai évoquée au départ et qui, dans le roman de George Orwell, prend des proportions terrifiantes, où finalement, personne n'est plus capable, à cause de la réduction de la langue, personne qui est surveillé par la police de la pensée, personne n'est plus capable de dire à l'autre ce qu'il a sur le cœur. Il ne peut que parler de choses. Et du coup, dans ce système totalitaire parfait, il n'y a plus d'amour. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de mon chou. Il n'y a plus d'amour parce que l'amour, justement, s'accompagne d'un besoin expressif qui va s'incarner à côté des mots qui désignent des réalités objectives, va s'incarner dans quelque chose comme l'évocation connotative d'un état d'âme, d'un sentiment. Et bien, dans l'univers de la novlangue, je trouve magnifique, là, si vous lisez Orwell en anglais, les mots qu'il a inventés pour caractériser cet univers linguistique, c'est extraordinaire. Il y a un mot qui s'appelle en français « crime sex ». Alors c'est « crime sex », c'est-à-dire éviter de tomber amoureux, parce que si on tombe amoureux, on est tenté de parler une langue que la police de la pensée interdit. C'est par rapport à cela que j'ai développé un peu ces réflexions qui, à mon avis, sont d'une actualité extraordinaire dans le monde dans lequel nous vivons, où l'uniformisation est en marche d'un côté et où le besoin de différenciation se fait sentir de l'autre. Et pour que ce ne soit pas un conflit dans lequel, finalement, on s'inhibe mutuellement, il vaut mieux admettre qu'il y a une qualité qu'il faut reconnaître aux langues techniques, aux nomenclatures, aux terminologies, tout ce qui permet de dire les choses avec la dernière précision. Il y a un mérite
Mais ce mérite, eh bien, il est au prix d'un abandon. Et cet abandon, il se trouve du côté de la manifestation, à bon entendeur, de ce que l'on ressent, pense, éprouve au sujet de ce dont on parle. Voilà. Merci. Il y a une question là-bas. Oui. C'est tout le temps dans ce coin ? Visiblement, c'est sûr. Là, il y a d'abord une question là. Pardon. Il y a visiblement beaucoup de questions. Il y a plein de questions partout. Ne pensez-vous pas que le fait justement de voir la personne, de voir ses expressions sur son visage, empêche de réfléchir à chaque mot qu'on pose pour traduire notre pensée? Parce que j'avais parlé longuement à un aveugle, par exemple, et j'avais été étonnée par sa capacité à trouver chaque mot juste. Et il m'expliquait que c'était le jour où il a perdu ses yeux, en fait, il était obligé de réfléchir avant de parler parce qu'il ne pouvait pas voir les expressions du visage des personnes avec qui il parlait. Et parfois, on a tendance à dire à quelqu'un « tu vois ». Et rien qu'avec notre visage, il voit ce qu'on veut dire. Et donc, ne pas chercher et se forcer à trouver le mot juste pour exprimer notre pensée. C'est très intéressant parce que signifie dans ce cas le mot juste? En fait, le terme que j'utilise, c'est l'expression juste. Le mot juste, il peut être d'une certaine manière calé sur la réalité qu'il évoque et qui, elle, est indépendante du sujet parlant. Parce que c'est une chose, je désigne un ustensile, que sais-je, dans la cuisine, à quelqu'un qui est aveugle. Il ne peut pas voir mes mimiques, il ne peut donc pas facilement déchiffrer ce que je voudrais, en plus de la désignation de l'objet, lui faire partager. Eh bien, du coup, c'est l'intonation. Quand on est avec des aveugles, la mimique, eh bien, est remplacée par l'intonation, c'est-à-dire par la manière dont on prononce les mots. Je pourrais vous en parler longuement parce que j'ai une certaine expérience. Il y a des mimiques sonores. Et ces mimiques sonores sont, dans ce cas, l'élément qui permet d'accéder à ce que l'interlocuteur essaye de faire comprendre ou de transmettre, alors qu'on ne peut pas voir le petit sourire qu'il affiche sur son visage. Nous avons 1000 possibilités, j'appelle ça la langue élargie, je disais la gestuelle, la mimique, il y a le vestimentaire, mais, et votre question me permet de le préciser, il y a aussi la musique des paroles, une manière de parler qui a pour but de faire partager quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et qui ne se retrouve pas dans les mots justes qui désignent. Vous êtes d'accord? Je vois que vous secouez la tête. Merci. Il y avait monsieur ici qui voulait parler. Ça viendra, ça va venir. On entend? Oui, allez-y. Si j'ai bien compris votre propos, dès lors qu'on ne partage pas la même langue maternelle, on ne peut pas conjuguer la fonction dénotative et connotative du langage. Est-ce que, du coup, on est devant une impasse concernant la communication interculturelle? Merci beaucoup. J'ai été un peu rapide quand j'ai dit que la véritable clé face à cette difficulté, c'est qu'on ne peut avoir une vision cohérente du monde et la partager que dans une langue donnée, puisque toute langue est comme une fenêtre qui s'ouvre sur le réel, et un réel partagé, dont on a la même appréciation. Eh bien, la difficulté est que les langues sont maintenant équivalentes, les langues de culture, j'entends, les langues qui ont développé une richesse de connotations qui font qu'elles disposent de ressources sémantiques expressives. Eh bien, c'est la traduction. Je suis profondément triste de voir que dans l'enseignement, mais partout dans nos pays européens, on a sacrifié la traduction qui était en fait l'exercice principal d'une ancienne manière d'éduquer. Mais on traduisait des langues anciennes, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle. Le lycée était le lieu où on apprenait ce que j'essaye de vous dire en traduisant en français du latin ou du grec ancien. Et cette traduction pouvait ensuite être élargie et puis embrasser d'autres langues. Mais cet exercice de traduction est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait apparaître que ce qu'une langue a réussi à élaborer comme richesse connotative ne se retrouve pas nécessairement dans une autre.
Mais l'autre a d'autres richesses à proposer, et le travail de traduction consiste à se féconder mutuellement. Et si on se penche sur le développement de la littérature européenne, elle est entièrement née d'efforts de traduction. Toutes les langues européennes, quand on les gratte un peu, sont nées de l'incorporation de mots venant d'autres langues et qui ont ensuite été littéralement, une accoutumance, c'est-à-dire on fait que ces mots qui sont d'abord étrangers deviennent des mots du cru. Peut-être je peux raconter une histoire essentielle à mes yeux. Vous savez, la naissance de l'italien. Peut-être vous le savez, mais ça mérite d'être rappelé. Quand Dante, en 1303, s'aperçoit qu'il ne peut pas faire la poésie qu'il souhaite faire en dialecte toscan, parce que dans un dialecte, on parle d'emblée comme tout le monde. C'est le propre du dialecte, il y a des manières de dire qu'il faut respecter. Le dialecte, c'est sa beauté, c'est sa force d'intégration, mais il nie l'écart subjectif, individuel, donc le moment de créativité. Eh bien, Dante, qui parlait aussi le bas latin, et surtout le latin des penseurs scolastiques, c'est-à-dire des philosophes de l'époque, eh bien, il disposait aussi d'une langue de service, mais intellectuelle, qui était une langue purement conceptuelle. Il ne pouvait pas faire avec cette langue desséchée, entièrement tournée vers des choses à désigner comme pensables, la langue de sa poésie. Et donc, il a écrit en 1303 un petit essai sur l'éloquence, alors vulgare, ça veut dire populaire, plutôt que vulgaire, ça sonne pas bien. Et dans cet essai, il explique que le seul moyen de se fabriquer une langue dans laquelle il pouvait faire de la poésie, c'était une grammaticalisation du dialecte toscan par le latin des docteurs. Il appelle le latin grammatica, c'est-à-dire que ce n'est même pas les mots, c'est la grammaire. Parce que le dialecte n'a pas de grammaire, le dialecte c'est une manière de parler. Eh bien, en fécondant le dialecte par la grammaire du latin, il a inventé l'italien. Et je peux vous raconter la même chose sur l'allemand, qui est né lorsque Luther a traduit les évangiles du grec en dialecte saxon. Il a commencé là une œuvre de grammaticalisation du dialecte qui est devenue ensuite ce qu'on appelle le haut-allemand, le Hochdeutsch ou le Schriftdeutsch, l'allemand tel qu'on l'écrit. Eh bien, c'est chaque fois grâce à une fécondation qui vient d'une autre langue qu'une langue se met à évoluer. Je voulais vous remercier tout d'abord de votre magnifique intervention. Ensuite, par rapport à l'accaparement du sens des mots par des ennemis du beau et par rapport à la dispersion progressive, la disparition progressive du langage poétique, je voulais vous demander comment voyez-vous l'avenir du langage poétique qui est finalement le seul garant à la fois du sens et de l'essence. Je vais répondre parce que là, c'est la question qui devrait nous réunir toute la journée parce que c'est tout l'enjeu est là. Je vais vous dire, à bon entendeur, je le dis, tant que nous tombons amoureux, c'est-à-dire tant que nous préférons une personne à toutes les autres, alors que les autres ne comprennent pas pourquoi. Le propre du coup de foudre, c'est qu'on tombe amoureux de quelqu'un et ce n'est pas un sentiment partageable, puisque tout le monde ne peut pas être amoureux de la même personne de la même manière. Eh bien, dans cet écart que l'émotion amoureuse produit, eh bien, naissent les formes poétiques du langage. C'est pour ça que je parlais de Montchou, qui est une forme poétique très, très basse. Mais il peut y avoir des formes poétiques infiniment plus raffinées qui viennent simplement du sentiment que l'on a une préférence à exprimer par rapport à quelque chose dont on parle. Et du coup, ça peut être un nuage, ça peut être la mer. Et je pense que tant qu'on est capable d'éprouver ce sentiment qui fait qu'on est comme séparé
de ce qu'on peut appeler le mainstream des opinions et des certitudes. Tant qu'on a ça, eh bien, la poésie n'est pas morte. Et toutes les langues en témoignent. Je suis sûr que même une langue maltraitée, comme l'a été l'allemand, sous l'emprise nazie, par exemple, c'était devenu une langue qui était devenue administrative. Je raconte une dernière chose. Vous savez, en allemand, il y a des préfixes. Il y a B, N, etc. Ce sont des préfixes qui n'ont pas de sens lexical, mais qui donnent une signification supplémentaire au verbe. Alors, le préfixe B transforme un verbe intransitif en verbe transitif. Alors, lorsque, par exemple, vous dites que vous servez quelqu'un, alors, dienen, ça se traduit avec le datif, qu'on appelle le dativus ethicus. Il y a plein de verbes intransitifs qui se construisent avec le datif de la personne concernée. Eh bien, quand vous prenez le même verbe et vous collez le préfixe B, eh bien, la personne à laquelle vous rendez le service devient l'objet de votre activité de serviteur. Et donc, au bistrot, eh bien, le type qui vous sert s'appelle Bedienung. Et vous, vous êtes l'objet d'une mesure administrative qui, lorsque les nazis ont pris le pouvoir, a transformé le paysage linguistique allemand de façon absolument fulgurante, puisque la plupart des mots qui se construisaient avec ce datif, qui est un datif de relation indirecte, eh bien, étaient transformés uniquement grâce à ce préfixe en langage d'asservissement. Et ça peut aller très, très vite et très, très loin. Et donc, il y a, après la guerre, des poètes allemands qui n'ont fait de la poésie que pour se débarrasser de ce B. Alors, je pourrais vous... On n'a pas le temps. Je pourrais prendre un poème de Paul Celan, par exemple. Paul Celan, qui était un poète juif roumain, qui vivait en France et qui faisait de la poésie en allemand, parce qu'il avait un besoin furieux de récupérer la langue que les nazis avaient souillée, que les nazis avaient transformée en quelque chose de... administratif où la police de la pensée pouvait s'exercer. Donc, mon espoir est en même temps une certitude. Tant que les êtres humains éprouvent des sentiments qui s'apparentent à l'amour, il y aura des langues qui continuent à s'enrichir. Superbe. Merci infiniment. Merci beaucoup.